Chers amis, bonsoir et pour débuter cette nouvelle année, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année, beaucoup de santé et puis que 2019 soit le fruit de tous vos désirs. Comme chaque année, bien sûr, on se retrouve dans le magnifique complexe de l'Esmeralda pour se souhaiter entre professionnels de la nuit une bonne et heureuse année. Et pour débuter, avant de rencontrer tous nos artistes, je vous donne rendez-vous tout de suite avec le directeur artistique de cette grande soirée qui est entre autres que Jack Perry. 17e, je crois, je sais plus, tous les ans que je dis ça, je compte pas, j'ai pas l'habitude de compter, c'est pas dans mes habitudes. Voilà, le but c'est de faire la fête, de réunir tout le monde, de démarrer l'année comme il se doit, et puis surtout de passer un moment convivial et se souhaiter à chaque fois une belle et heureuse année. Plein de projets, il y en a très bien qui arrivent, c'est une reprise avec de Ravimula Common qui va sortir avec mon ami Julien Créance, on a bossé sur un single. Et puis alors on a surtout plein de signatures à l'international, ça va être juste fabuleux. La nuit m'a toujours fait rêver, elle me fait encore rêver. Et c'est un super métier que j'aimerais pas arrêter. Toujours fidèle, ouais, par rapport à Bernard et Tonton Max, mon ami. Qui me connaît depuis que j'ai 14 ans. J'aime bien cet endroit, je vais très rarement dans ce genre de soirée. C'est exceptionnel d'ailleurs. Je le fais que pour eux, parce que c'est mes potes. C'est tes potes, voilà. Et tu sais le c'est des gens bien. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir sa vie, de s'amuser, de rire. Il n'y en a qu'une vie. Ça passe vite. C'est fou, ça passe à une vitesse. Moi, je suis 65 piges, je ne les ai pas vus passer. Il faut laisser les gens respirer. Et ça, ces endroits-là, c'est des endroits où on peut respirer. Moi, ça me fait énormément plaisir de revenir ici parce que d'abord, je rencontre beaucoup de gens que je connais depuis des années. Des gens avec qui j'ai commencé ce métier, des résistants qui sont encore là, tu vois, des nouveaux. Et puis, il y a une super bonne ambiance. Et en plus, le lieu ici est assez mythique parce qu'il y a eu quand même des très, très bonnes soirées, belles soirées. Et puis, je vois avec plaisir que ça continue à se perpétuer, quoi. Le métier de DJ a complètement changé. Aujourd'hui, on est considéré comme des artistes. Donc on n'est plus dans le noir, on est plutôt sur scène, tu vois. Je te jure que tous les soirs, quand je suis sur scène, je me dis, mais tu te rends compte, Joachim, t'es invité, t'es payé pour faire la chose que t'aimes le plus, c'est-à-dire donner, transmettre de l'énergie et des ondes positives aux gens. Donc c'est incroyable. Je lance un nouveau label qui sera lancé le 1er mars, qui s'appelle Underground. D'ailleurs, je vous adresse à vous, si vous avez si jamais vous avez des titres que vous voulez publier sur mon label, il suffit d'envoyer un mail à contact@. Alors Underground s'écrit comme ça, UNDGRD Music, MUSIC.com.
L'édition 2019 vient de s'achever. On vous donne rendez-vous dans une petite année. D'ici là, bien sûr, profitez pleinement de cette belle et merveilleuse année 2019. Et quant à nous, on vous dit à l'année prochaine. Ciao, bye bye.